Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez vu sur la vidéo précédente l'évolution de mon classeur de la collection EV7 Couronne Stellaire et on veut encore se laisser une chance de compléter les emplacements vides. Pour ça, il y a un item qu'on n'avait pas encore ouvert sur la chaîne. Ils sont tous les deux devant nous, les tripacks Couronne Stellaire avec Forgelina et surtout le joli Latias en carte promo, 6 boosters couronne stellaire. On espère avoir de la chance et avoir des cartes manquantes. On va commencer par le tripack Forgelina. Alors, sa carte promo, 140 PV, 2 attaques, sabotage et pression sauvage. C'est la promo SVP FR 140. Très très sympa. On est dans le type psy pour les deux cartes promo. Très belle carte. On commence bien. Je vous file le code du tripack. Et dans les boosters, on a du Terrapagos, du Loclas, du Pyrobut. On va aller tout de suite voir à l'intérieur ce qu'on peut choper. On sait ce qu'il nous manque. On va croiser les doigts. Tritox, Momouton, Crabagar, Verpomme, Jirachi, Abîme 0, Diancie, Ramolos, c'est une reverse. Le Galopa, lui aussi. Et on commence avec Megapagos en holo. Ça, c'est tout doux pour s'échauffer. Allez. Très très Groit, ça ferait plaisir. Grenousse, Fossile Racine, Charmina, Motorizard, Grodrive, Croaporal, Malamandre, Patachio, la première reverse derrière. C'est une autre reverse avec la B Choco et on a un Charmille en holographique. Toujours reverse plus holo. Pas ce qu'on désire voir dans les ouvertures de booster écarlate et violet. Le troisième et dernier booster du premier tripack avec Hoot Hoot, Chrysapil, Evoli, Guérilante, Azumarill, Lucanon, Béchoco. La reverse c'est Moumouflon. Derrière une autre reverse avec Flamajou. Et on a un Pokémon Full Art, le Loclas X Terra Crystal Full Art. Très très belle carte, magnifique. Un très beau hit, mais on le sait, on l'a déjà vu, je pense, en ouverture. Et de toute façon, dans le classeur, elle était présente. Mais cette carte, on prend. Il me manque deux Full Art Pokémon, donc ça peut partir à l'échange. Très très bon hit sur le troisième booster et il nous reste un tripack. Très très impatient de découvrir la carte promo de Loclas de plus près. Latios et Latias qui vont faire leur grand retour lors de la prochaine extension. EV8, étincelle déferlante, ça risque d'être quelque chose. L'extension fait beaucoup parler. En attendant, le Latias est là, 110 PV, le talent Flottaison Brume, l'attaque Sphère Psy, promo SVP FR 139. Ok, elle se place juste avant le Forgelina, dans l'ordre pour le classeur de promo. Donc comme je disais, type Psy, là on est sur du 100% pour les cartes promo. Et on a Pyrobut, Megavolt et Loclas. Ben, c'est bien. On a vu toutes les illustrations dans cette ouverture. Alors, premier booster du deuxième tripack. Crémy, Osselet, Ponyta, Beaudrive, Trompette de Verre, Beyapap, Coraidon. La reverse, c'est Tauros. Derrière, le Chrysapil reverse. Et on a un Roc de Fer en holographique. On commence de la même façon. Le booster Megavolt.
Bah, si on a encore un beau hit dans ce tripack, on sera sur les quotas normaux. Pandespiègle, Chaglam, Cléopsytra, Carapagos, Avaltou, Reshiram, Beyapap. La River, c'est encore Momouflon, on l'a déjà vu. Derrière, Statitique. Et on termine bah, sur un nouveau Roc de Fer en holo. Coup sur coup. Bah, je disais, le quota habituel des tripacks, c'est un hit sur 3 boosters. J'ai déjà vu des ouvertures de tripacks complètement vides. Là, au moins, on a un hit. Et il nous reste ce dernier booster. Est-ce qu'on peut encore terminer assez fort? Passe rouge, Paume, Lilia, Vrombi, Shaofwin, Loclas, Vrombotor, c'est Flotillon pour Reverse. Encore une Reverse avec Loclas. Pas d'alternative, pas d'AR sur cette ouverture. Et on finit sur une holo de Rhinastock, malheureusement. Le tripack Latias qui n'aura donné que sa carte promo. Allez, comme on a été très très vite et qu'on n'a pas eu grand chose, on peut retenter notre chance sur un petit item bah, qui vient de sortir également. Et comme j'en ai que un, bah, je me dis autant le mettre avec un autre item parce que sinon la vidéo va durer 2 minutes et c'est fini. Nouveau duo pack avec un booster origine perdue, épée bouclier, toujours du plaisir, et un EV2, donc évolution à Paldea, très très bien. Et donc le duo pack a toujours 3 cartes holo cosmo avec des cartes qui font partie déjà d'extensions précédentes, et on a un nouveau jeton, c'est le Palkia, très très bien. On va ouvrir tout ça. Et je pense que c'est le seul duo pack que je vais ouvrir. Au moins, les holo Cosmo sont aussi dans la collection. Parce que ces cartes sont déjà en holo. Mais là, c'est dans Faille Paradox pour ce Latios. Mais pour avoir l'holo Cosmo, il faut absolument prendre le duo pack. Latios 110 PV, attaque glissement, lumière éclat. C'est la 73e carte de Faille Paradox. Je vous file le code. Du blister amélioré, comme ils appellent, comme ça c'est fait. Palkia, toujours de Faille Paradox, la 40e, 130 PV, attaque téléportation explosive et compteur de récompense. Et la 3e, c'est du Zekrom, on est sur du full légendaire, ça fait plaisir. Toujours Faille Paradox, 66e carte, 130 PV, attaque court-circuit écrasant et tonnerre déchaîné. Très très bien. Latios, Palkia, Zekrom. Je suis sûr qu'il y a des fans de ces Pokémon qui regardent l'ouverture. Et un nouveau jeton Palkia. Très très sympa. Là, il voulait donner tous les légendaires. Et regardez les boosters. Du Dinglu, du Giratina. On est encore dans les légendaires. Allez, on commence par le Écarlate et Violet. Parce que on préfère terminer par le Épée et Bouclier. Alors ici, on a Scrutella, Grondog, Goélise, Pomme de Pique, Élige, Trépassable, Raichu, le Grondog, mais Reverse cette fois-ci, le Marill, c'est Reverse aussi, et on a un Mimiki en holo. Booster très très simple pour évolution à Paldea. Même si l'holo très sympa, le Mimiki. Et là, on a un origine perdu. Pour le moment, cette extension, on la voit partout. On a l'impression qu'ils en ont imprimé à foison. Alors, code à bord blanc, malheureusement. Là, on se fait spoiler. Mais on va essayer d'aller chercher une traîneur galerie. C'est notre seule chance. Rocabo. Otaria, Zorua de Hisui, Blitzy, Machoc, Énergie Feu, Dodoala, Roserad, j'ai spoilé, derrière Chimera, c'est Percupio en holo reverse, je pense que Percupio est en holo,
Mais bon, ce n'est pas une traîneur galerie. Et on sait qu'on tombe sur une rare sur la dernière carte. Donc, 8 boosters et un seul hit. On va se consoler avec les deux promos Forgelina et Latias. Le gros hit, ce sera, et le seul, mais quand même assez intéressant, le low class Terra Cristallisé Full Art. On n'oublie pas les Holo Cosmo présentes dans le duo pack qu'on vient d'ouvrir juste ici. J'espère que vous avez apprécié cette ouverture. Malheureusement, on n'a pas réussi à continuer à compléter l'extension. Du couronne stellaire, il y aura encore certains boosters dans des items comme les petits coffrets, etc. Donc, on peut toujours continuer à compléter. Sinon, j'achèterai les dernières cartes à l'unité. On se retrouve donc très vite pour d'autres ouvertures. En attendant, je vous fais des bisous à tous. Portez-vous bien et surtout, amusez-vous.